Si madame, tu manges ton téléphone, madame, calmez-vous, c'est quoi? Retire de plus. Retire de plus. Calmez-vous. Retire de plus. Si tu me remets ça. Prends, tu retires. Calmez-vous. Je veux pas de problème. Il ne faut pas l'offusquer aussi. Regardez, Bertrand. Calmez-vous, téléphone là. Toi? Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi c'est Bertrand. Comment est-ce que vous appelez? Moi c'est Stéphane. Honorine Tapu. Stéphane et Honorine, comment vous allez? Non, très bien de mon côté, et vous? Non, ça va super bien. Ok, si vous allez bien, moi je vais bien. Regardez la caméra, dites-nous déjà, est-ce que vous êtes en couple? Oui, oui, nous sommes en couple. En couple? Ah oui. Depuis combien de temps? 6 mois. Depuis 6 mois? Mmh. Wow. Et en 6 mois, qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie? Me procure assez de joie, pas de tranquillité en fait. Oui. Est-ce qu'il te donne l'argent? Oui, quand il peut. Oui, il te donne l'argent. Donne de l'argent. Et en 6 mois, est-ce que tu penses que tu l'aimes déjà? Oui, je l'aime. Tu l'aimes? Je l'aime énormément. Et toi, est-ce que tu l'aimes? Ah, très bien même. Très bien, très bien. Oui. Regarde-le dans les yeux et dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime. Ah, moi aussi, bébé, t'aime. Waouh. Est-ce que vous pouvez vous faire un bisou là d'abord? Un petit bisou. Caméraman, s'il te plaît, filme là. Un petit bisou. L'amour. Waouh. Waouh. L'amour est mon. Dites-moi maintenant, je sais que les hommes sont devenus très infidèles. Est-ce que tu penses que lui, il est fidèle? Oui, il est fidèle. Il est fidèle? Oui. Tu es sûr? Je pense bien, il est fidèle. Toi, tu es fidèle? Je suis fidèle. Aujourd'hui, nous sommes là pour regarder la fidélité des hommes. Ok. On va voir s'il est fidèle. Est-ce qu'on peut vérifier s'il est fidèle? Oui, bien sûr. Mais attends, s'il est infidèle, qu'est-ce que tu fais? Non, il n'est pas... Il n'est pas infidèle. Il n'est pas infidèle. Oui. Est-ce qu'on peut vérifier si tu es fidèle? Moi, je n'ai aucun souci à ça. Est-ce que tu peux sortir ton téléphone et le déverrouiller? Arrête un peu le sac. On va voir si tu es vraiment fidèle. Mon téléphone? Oui. Tu déverrouilles. Et on en a dans WhatsApp. On va voir si tu es fidèle. Ton cœur bat. Non, je sais qu'il est fidèle. Si ton cœur bat, parce que tu ne vis pas. Donc, ça bat un peu. Ça bat un peu. Mais je crois en lui. Mais tu crois en lui. Ok, donc déverrouille ton téléphone, donne-moi. On va entrer dans WhatsApp. Et on va d'abord taper bébé. Ok, bébé. On ne voit pas bébé. Bébé, ok, voilà. Honorine bébé, Honorine bébé, Honorine bébé, mais attends un peu, en dehors de Honorine bébé dans ta vie, tu n'as plus personne. Je n'ai plus personne. Tu n'as plus personne. Oui, elle est venue à arrêter le désordre dans ma vie. Elle est venue arrêter le désordre dans ta vie. Oui, oui. Mais attends, dis-moi, tu n'as pas mis dans la bouteille? Non, je le comble assez. Tu le combles assez? Oui. Même pas hier, tu n'appelles pas une autre fille bébé? Non, non, peut-être parfois, à part ma maman, il n'y a plus personne d'autre. Nice. Attends un peu. Je dis, je te vois. Parce que souvent, quand les hommes veulent un rendez-vous, ils disent aux filles que je veux te voir. Donc, écrit te voir pour voir le nombre. Bon, te voir. Je vois juste Taylor, Dylan, Honorine. Nice. Donc, c'est sûr que tu es bien, tu es assis dans ta bouteille de glycérine, on t'a bien fermé. Elle se connaît, donc si c'est elle qui m'a mis la bouteille, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème à ça. Oui, oui. Tu peux être fidèle, un homme grand de taille comme toi, tu es fidèle comment? J'ai bien dit tantôt, depuis qu'elle est entrée dans ma vie, j'ai arrêté le désordre. Avant, c'était un peu, mais depuis, c'est un bon bout, je suis maintenant concentré sur elle. Et toi, tu as eu peur qu'il soit infidèle? Pas trop. Pas trop. Moi, j'ai confiance en lui, je sais qu'il est fidèle. Mmh. Ok. Donc, il est fidèle. Waouh. Et toi, c'est toi-même, tu es fidèle? Oui, je suis fidèle. Tu es fidèle? Oui. Elle est fidèle? Bon, je crois en elle. Oui. Oui. Est-ce que vous fouillez souvent même vos téléphones? Moi, je fouille son téléphone. Oui. Mais le mien, il est privé. Le tien, il est privé? Donc ça, tu n'as pas le droit qu'elle ne touche pas ton téléphone, que tu ne touches pas son téléphone. En fait, moi, ce n'est pas beaucoup dans mes habitudes de fouiller le téléphone de la femme. Oui. Donc j'ai lui fait entièrement confiance et c'est tout. Oui. Mm-hmm. Donc je ne fouille pas son téléphone. Est-ce qu'on peut regarder dans ton téléphone si tu es fidèle? Non. Hein? Non. On ne regarde pas si tu es fidèle. Moi, je suis fidèle. C'est le plus important. Oui. Il sait que je suis fidèle, c'est tout. Il sait que tu es fidèle. Oui.
Attends un peu. On a regardé s'il était fidèle. Toi, est-ce qu'on peut regarder si toi tu es fidèle? Toi, ça ne te dérange pas. Non, comment ça? On a regardé ma panne. Pourquoi tu ne veux pas qu'on regarde ta panne? C'est un peu que ça, non? C'est important. Moi, je sais que je suis fidèle et il le sait très bien. Tu es fidèle? Je suis fidèle. Déverrouille ton téléphone, alors on va regarder. C'est simple, non? Si tu ne fais pas ça, que tu n'es pas fidèle, c'est aussi simple que ça. Je suis fidèle. Elle dit qu'elle est fidèle. Mais qu'elle déverrouille son téléphone, non? On a fait ma passe sans problème, non? Est-ce qu'il y a un souci à ça? Tu n'as rien à cacher. Déverrouille, non? Rien à cacher. Déverrouille alors. Si tu veux, tu donnes une fouille, bien sûr, tu me donnes, je fouille. Hein. Tu préfères que qui fouille? Non, fouille. Qui fouille, lui ou moi? Non, tiens. Moi, je fouille. Oui, je préfère. Ok. On va taper bébé. Ok. Je vois baby. Baby, c'est qui? C'est ta photo ici? Non, non. C'est pas ta photo? Non, non. C'est pas toi, baby? Et c'est non, puis mon numéro. C'est pas ton numéro? Ok. Baby, c'est qui? Moi, je le connais pas. Prends bien, caméraman. Baby, c'est qui? Moi, je le connais pas. Tu le connais pas? Attends un peu. On va regarder ce que tu lui as écrit. Baby. Ok, baby. J'ai beaucoup aimé la soirée. C'était quelle soirée? Je dis, je ne le connais pas. Peut-être ma soeur a dû utiliser mon téléphone. Ta soeur a utilisé ton téléphone comment? Ta soeur a utilisé ton téléphone comment? Tu utilises ton téléphone avec qui? Attends un peu. Je lis encore. Bébé, j'ai envie de te lécher la chatte. Oh, yeah. Baby, ok. Chaïque, tu sais. Moi, je ne le connais pas. Là, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas. C'est dans ton téléphone, tu dis que tu ne connais pas. Comment tu la connais pas celle-là? Je ne sais pas. Peut-être ma soeur a utilisé mon téléphone. Ta soeur, quelle est ta soeur? Dans ton WhatsApp. Bon, attends. Attends d'abord. Je vois encore. Florian, non. Florian, c'est qui? C'est ta soeur. Florian, c'est ma soeur. C'est ta soeur. Ok. Son nom, c'est quoi dans ton téléphone? Stéphane. Stéphane. Mais tu as enregistré son nom Stéphane et tu as enregistré son nom de quelqu'un d'autre, baby, pourquoi? C'est pas mon numéro, je connais pas la personne. Tu ne connais pas la personne? Non. Bon, c'est simple, est-ce qu'on peut appeler le numéro là? Comment vous voulez appeler une personne que moi je ne connais pas? Mais tu ne connais pas personne, on appelle le numéro, c'est simple, non? On appelle et tu sais que bébé c'est Honorine, on va voir ce qu'il va dire. Pourquoi? Donc, bébé, tu ne me fais pas confiance. Quoi? Mais baby c'est qui? Dis-moi qui baby c'est qui dans le téléphone, je ne te fais pas confiance, ça veut dire quoi? Attends un peu, on va appeler pour voir comme tu as on peut appeler, tu as que ce n'est personne, non? Ce n'est personne, ça ne te dérange pas. C'est ou bien, si tu es infidèle, il faut dire que tu es infidèle. Je ne suis pas infidèle. Donc tu n'es pas infidèle. Je ne suis pas infidèle. Donc on peut appeler. Il peut me croire s'il le veut bien. Et de quoi, comment? Mais explique le numéro là. Explique qui tu appelles, baby. Okay. Explique à qui tu as dit que la dernière fois ça t'a beaucoup plu. Explique. Et vous allez l'appeler pour dire quoi? Tu dis un peu bébé, c'est Honorine. On va juste voir. Si... Il a décroché, vas-y. Bébé, c'est Honorine. Allô? Bébé, okay. C'est Honorine. Oui, bonsoir. Il répond alors. Allô? Répond. Allô? Réponds. Bonsoir. Bonsoir mon cœur. Ça va. Je suis déjà sur le chemin du retour. Comme prévu, je sais que tu es déjà à la maison. C'est presque fini, j'aimerais pas manger ça ce soir. Bon, je sais que c'est personne. Regarde sur mon téléphone. Personne. Non, c'est personne. C'est personne. Donc tu dis que tu es fidèle. Ok, c'est ça. Tu joues seulement. Donc c'est personne. Donc j'achète un téléphone. Je te donne. Tu enregistres mon nom dedans, Stéphane. Tu mets le nom de notre gars dedans, baby. Prends bien la partie, c'est oui. Donc tu l'aimes, tu prends bien le plan. Tu joues seulement. Prends bien ça. Je te donne le téléphone pourquoi tu enregistres le nom des hommes, baby. Voilà ce qu'il a dit. Baby, c'est qui? C'est juste un ami comme un ça. Un ami qui t'appelle baby. Pourquoi même tu ne m'appelles pas? Tu n'appelles pas mon nom, baby, dans le téléphone. Donc ce n'est personne. Tu me dis, tu m'as vraiment déçu. Mais tu continues à nier. Tu vas-tu nier? Attends un peu, non. Attends un peu, calme-toi. Donne-moi ton téléphone là, donne ça. Prends bien.
Laisse ça. Attends un peu, remets son téléphone. Attends d'abord, remets son téléphone. Si je suis à laptop, remets mes puces, s'il te plaît. Remets son téléphone. Ça se voit comment que j'ai acheté un téléphone. Elle écrit, elle a un renseignement d'un homme d'un bébé. Qu'est-ce que tu fais de bon dans ma vie? Qu'est-ce que tu me donnes? Regarde, est-ce que tu payes mon habillement? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Non, c'est aujourd'hui que tu vois qu'elle ne paye pas ton habillement, hein. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Non, quelqu'un qui s'occupe de moi, toi tu t'en fous de tout en fait. Mec, et tu oses mettre la main sur moi en public. Ça va, c'est bon, il ne faut pas la violence ici. Ça va, c'est sécurité. Frère, voilà. C'est inadmissible que depuis 6 mois, je suis avec une fille, j'ai acheté ton téléphone. Elle, je dis, elle vient se mettre au carrefour. Calme-toi alors. Je ne fais rien pour elle. Ça va, donne c'est son ça. Alors. Ça va. C'est moi qui ai acheté, je ne te remets pas ça. Ça va, alors calme-toi. Oh, viens, si on rentre, passe d'abord. Ça va, calme-toi. Viens, je rentre avec toi. De ma équipe, mon téléphone. Je ne te remets pas le téléphone si. J'ai encore la facture de ça à la maison, je ne te remets pas ça. Calmez-vous aussi. Si tu m'as acheté un téléphone, madame, calmez-vous, c'est quoi? Retire plus. Retire plus. Calmez-vous. Retire plus. Que tu me remets ça. Prends-tu, retire. Calmez-vous. Je ne veux pas de problème. Il ne faut pas l'offusquer aussi. Regardez, Bertrand, qu'est-ce que tu as fait pour le téléphone là? Calme-toi. Toi aussi, calme-toi. C'est pas parce que le téléphone, tu ne dis pas que tu vas aussi. Calme-toi. Mon nom dedans, c'est Stéphane. Il y a une baby dedans à l'intérieur, ça se fait. Non, ça va, Bertrand. Tiens ton téléphone. Calme-toi. Viens. Calme-toi d'abord, non? Ça ne te concerne pas. C'est aussi bien parce que tu as eu la vérité. Tu as compris? C'est aussi bien parce que tu as. Quand on va à passant, laisse la partie. Calme-toi. Passe à autre chose. Tu vas aller dans la main cadence. Tu vas te saler la bouillon. Calme-toi d'abord. Je ne sais même pas pourquoi tu es sorti. Calme-toi.